N'a pas une conférence de presse là, dans une conjoncture qui est particulièrement difficile dans le pays. Et je suis capable de dire que la conjoncture ça, il y a quatre caractéristiques d'après moi-même la dernière. Premièrement, nous pas peur de dire qu'il y a un véritable début de guerre civile, puisque nous gagnons deux camps qui armés avec des armes lourdes. Des armes qui sont capables de faire un pile de dégâts et deux camps qui alimentaient régulièrement et abondamment en munitions. Il y a des affrontements entre ces gangs armés et en plus de cela, il y a des attaques contre la police nationale. Nous voyons qu'il y a plusieurs policiers qui tombaient et des policiers même de haut rang. Et nous gagnons en plus de cela des attaques contre la population civile, côté Mounia Mouritou, et Mounia obligé de quitter la Caillou, particulièrement dans la zone bâtissant, pour y aller prendre refuge sur des places publiques, dormir sur place publique, parce que vous n'êtes pas capable de briter la Caillou. Mounia, vous gagnez tout, vous avez une véritable situation de panique et dans certaines zones du pays. Deuxième caractéristique de situation, c'est la terreur que, justement, gang armé sa yo a fait régner contre la population. Premièrement, dans certains quartiers, et deuxièmement, sur les routes. Mon yo pas capable de sortir de carrefour pour yo vini Port-au-Prince, yo pas capable de sortir de tous les départements. Et dans le sud du pays et dans la grandance pour y venir à Port-au-Prince, il y a des gens qui ont besoin à l'hôpital bien balai, qui n'est pas capable de traverser à cause de gangs armés qui semé la terreur dans le pays. Donc, ça c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est que bon terreur au niveau de l'opinion. En ce sens que y a une tolérance dans le pays. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui ne sont pas d'accord avec la position politique. Eh bien, ils sont menacés de mort, ils sont capables de dire n'importe quoi sur vous, ils sont capables de faire n'importe quel type de menace sur vous. Il y a une tolérance, n'est-ce pas, dans le pays, sous forme de terreur. La démocratie supposée le pluralisme. Tout le monde n'est pas capable de gagner la même opinion. Tout le monde n'est pas capable de dire la même bagaille. Mais je dis, nous voyons que eh bien, ce pluralisme est pratiquement écarté, éliminé, son seul parole qui peut parler, son seule opinion qui comptait. Et finalement, quatrième caractéristique là, c'est la situation socio-économique là qui a dégradé de jour en jour. On a bien difficulté pour approvisionner en carburant, même si bon bateau qui est dans le rade là, cap déchargé, mais carburant pas capable de sortir dans la zone lamentaine pour venir ici à Port-au-Prince pour aller Keskov, parce que, eh bien, route est bloquée. On a bien difficulté pour approvisionner même en nourriture, puisque que ce soit le nord, que ce soit le sud, que ce soit l'est, ils ne sont pas capables de poter nourriture que gagnent pour capital. Et nous connaissons avec situation ça, gagnent un chômage qui a grandi de plus en plus. Hier, sur toute route d'aéroport, eh bien, toute entreprise qui a pu faire, mais tellement ils ont tiré dans la zone, agression, il y a des gens qui sont traumatisés psychologiquement à cause de tout le bagage ça yo. Et je dis à la plupart des entreprises yo fermé parce que on était traumatisé à cause de tout ça. Et tout le bagage ça yo pas facilité le progrès économique. Covid là a frappé nous. Ou t'as pensé que Covid là t'as un facteur de regroupement, un facteur de solidarité entre nous-mêmes haïtiens pour nous dire, en nous mettant tête nous ensemble pour nous lutter contre un ennemi commun qui sont épidémies? Eh bien non. Et malgré Covid là, eh bien, il y en a frappe avec l'autre et affrontement, confrontation armée à fait.
Et tout ça, pour qui ça a fait ça? Premièrement, c'est pour le pouvoir politique. Nous connaissons que depuis le palais de l'élection, à ce moment-là, où il y a des gangs armés qui voulaient contrôler tel ou tel territoire. Parce que vous connaissez que leur contrôle des territoires Sahara, eh bien, vous contrôlez vote qui est dans le territoire Sahara. Pour tel ou tel candidat, que ce soit comme parlementaire, que ce soit comme président, eh bien, c'est pour la conquête du pouvoir que toute bagaille sera faite. Ce qui signifie que nous n'avons pas véritablement choisi la démocratie comme moyen d'arriver au pouvoir et moyen de gérer le pays. Nous continuons avec même violence que nous avons gagné depuis 1804. Violence qui était tuée Papa Dessalines, violence qui était fait piquet, caco, zinclin, frappe, macoute, etc. C'est lui-même qui a continué, je veux dire, avec des gangs. Eh bien, nous pensons que l'autre bagaille qui est à l'origine de violence, c'est le narcotrafic, c'est l'affaire de drogue. Il y a un monde qui a besoin de faire comme rapide pour les riches, n'est-ce pas? Eh bien, c'est à cause de cela que nous gagnons tout problème, ça est, problème d'affrontement. Eh bien, ça n'est pas capable de continuer comme ça. Sinon, nous continuons sur route, ça, c'est détruire, n'a pas détruit le pays. Là. D'ici quelques. D'aller quelques mois, nous pas gain pays encore. Eh bien, c'est pour ça que il faut que nous mettons cran d'arrêt à descendre aux enfers ça. N'a pas fait depuis près de 2 siècles. Eh bien, je veux dire, il faut que nous prenions conscience, que tout le monde prenne conscience, que le pas capable de continuer comme ça. Gouvernement, opposition, tout de vous prendre conscience que il faut que l'on dialogue, faut qu'on s'attende, faut qu'il y ait un effort qui fait pour nous arriver à un accord que le pouvoir, c'est par les élections, c'est par les urnes pour nous gagner ça, et non par la violence. Il faut que nous ayons un accord pour nous faire la politique autrement, par des voies démocratiques. Il faut que nous respections l'autre, il faut que nous gagnions considération l'un pour l'autre, et il faut que nous gagnions devant yeux nous, le bien commun, le bien du pays, et non notre bien personnel, et non nos intérêts personnels. Et c'est pour ça que nous-mêmes, dans OCID, nous baillons importance très grande à la formation, à la conscientisation, de telle sorte que prise de conscience n'a pas les liens, et bien nous capables d'arriver à lui-même, que nous capables de faire un changement dans l'attitude de la classe politique, attitude des citoyens, attitude aussi des hommes d'affaires, pour que yo misé sur les institutions qui capables baillent véritablement la sécurité, la police, l'armée, et non sur des gangs pour protéger leurs affaires et leurs intérêts. Il faut que nous prise de conscience généralisée pour nous sortir dans sa noyer la journée de l'hier. Eh bien, formation ça, conscientisation ça, nous-mêmes dans OCID, nous promouvons. Et nous allons passer la parole à un collègue, M. Abdonel Doudou, qui va dire nous, pendant l'année qui s'est écoulée là, de juillet dernier à juin, année ça, eh bien, qui ça nous fait en termes de formation, en termes de conscientisation, et qui ça nous fait comme perspective pour l'année qui va venir. Merci. Et que ça veut les brigades de vigilance. Ben nous rendons nos services dans une zone qui peut comprendre, faire des brigades de vigilance. Brigade de vigilance, ça, nous voulons faire pour protéger trois têtes par nous. Acheter souffle, même, je ne te connais pas longtemps. Acheter lambi, si vous attaquez moi-même, pour mourir l'un ou l'autre. La caméra, vous avez pris prévenant, mes téléphones là. Chaque soir, je l'aime ça me pour le cas toujours levé. Bon, nous tenons sur ça. Bon, nous entendons en tant que Haïtien pour nous demander on l'autre Haïti. Pour nous demander on l'autre Haïti, il faut gagner on vit à le bien. Et puis, demander tout au gouvernement qui est là, rendre le peuple ici au service. Rendre au service. Et sécurité, c'est responsabilité de tout le monde.
mais personnellement ou même en tant que pouvoir de responsabilité. Deuxièmement, j'ai besoin de 50 dollars américains. Je ne vais pas jouer. Bon, je vais envoyer 500 dollars moins. Je vais envoyer ce domaine. Je vais obliger pour payer 80 dollars la donne pour mal prendre ce domaine. Et tirer une décision notée pour dire que le peuple a recevra sans goutte. Oui, ce domaine, c'est perso gagné. Mais je vais venir comme moyen dollar. Si je veux prendre la personne, je vais prendre. Yo di fèl depose direktèman sou kontou. Pa gen yon moun ki responsabilite mwen ki ka pa repon kesyon sa, yo di yo tro chaje. Si yo depose kòp pou ka rete sou 15 22 jou. Telman yo gen demande. Ban nou chans pou viv, pase ti souf la pou kò koupe. M pa pral mande chef de gen yo sa pa gen pouvoir sa. M ka mande yo simplement ba pèp ka fou a chans. En 2003 nous avons un artiste, Kessi, qui te fait un carnaval. Il dit, là, un artiste comme ça, mon gars faut entraver. Mais son musique dans chaque jour, parce que moi, Kessi revive. Il revive. Dernière question pour finir, vraiment pour finir, mais par exemple, on connaît la question du référendum. Non, tout le peuple a été dans le référendum, mais le gouvernement Jovenel Moïse a fait tête raide, prend 40 millions de dollars gaspillés. Est-ce qu'il a quitté Mathias ou bien le gouvernement allé? Ça va en compte pour 40 millions de dollars ça va Mabdou, bah il référé d'homme ça. On va lui parler pour lui pas faire ça. Parce que son zèk presse lié, mais on va dire. Bah il a donné. Président élu, sous constitution, constitution dit non, bah il référé d'homme. Et lui même tout, il dit la voix du peuple et la voix de Dieu. Le peuple a dit non. Si il n'y a pas de coûter la raison, 27 juin, ou pas comme ça que tu es capable. Qui veut dire, le gouvernement ne fait pas. Pas de référendum. Mais informe-toi avec sincérité. Constitutionnel, il y a trop vide là-dedans. Mais Dorval de Dil, ma vraie Dil, nous avons besoin de l'autre constitution. Si nous voulons l'autre pays, nous avons besoin de l'autre constitution. Comment comprendre? Un président élu, pour le mettre au premier ministre, tout député et sénateur, il faut avoir un pile d'argent pour le premier ministre passer en bas. Constitution qui soutient dans ça. Même voulons la constitution. Mais ce n'est pas Jean, gouvernement, M. Jovenel Moïse, la Dévlée. Nous voulons la constitution, tout bon. Parce que nous avons notre pays. Nous dormons, nous rêvons notre Haïti. Nous rêvons. Monsieur Gansayo, dans le quartier populaire, c'est l'école qui gagne. C'est le terrain, le jeu, le basket qui gagne. Je rêve, village de Dieu. Il vit dans le village de Dieu vraiment. C'est l'église qui gagne là. Je rêve dans le petit bois. C'est boulanger pour nous jouer une paix. Je rêve de grand ravine. C'est l'autre bagaille qui gagne. Je rêve 400 Marozo. Puis on quitte Marozo. Puis on fait l'autre bagaille. Je rêve ça. Pour me rêver ça, je demande courage pour vous, même en tant que journaliste. Ou même ouvrier, je demande participation. Ou même pouvoir. Ou pas dans le pouvoir demain. Ou pas dans l'opposition, je demande participation. Ou même opposition, cap goumé, cap bataille, pour prendre pouvoir, je demande participation. Nous tous ici, je demande participation. Mais journalistes, nous avons une grosse responsabilité avant même m'aller. Les gombas qui ne sont pas faites. Vibration FM, nous croyons nous-mêmes en tant que journalistes en ligne, nous très écoutés. Écoute FM, nous très écoutés, mais m'a dit nous clair. Nous devons aider le pays. Il y a des images qui ont besoin de petit pau. Les gens ont braché, les gens ont coupé la tête, maintenant bourré, ils ont jeté. Je ne crois pas que c'est une bonne image pour nous. Pour moi-même, haïtien. Moi, mon seul pays. Je voyage mal aux États-Unis. Mal tout pays, mal allé. Je ne peux pas faire un mois de jour parce que je ne peux pas quitter le pays. Moi-même. Si je mourir là.
Moi-même, mal dans club, moi-même, club, moi-même, casino, moi-même, piscine, moi-même, la mer. Nous, bonne chance, mes amis. Notre petit temps qui était là pour nous capable faire. Ils ont demandé aux chances pour nous faire. Puis, ils passé. Mandez petit bois chance pour nous capable faire. Mandez Christ la chance pour le convertir, pour le prêcher l'évangile. Mandez pouvoir ressaisir dans ce qu'a posé pour vous ralentir et pour vous prendre des décisions rapide pour le peuple capable d'aller au souffle. Merci journaliste qui est là aujourd'hui.